الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Une personne qui prétendrait vouloir adorer Allah عز وجل comme il se doit se doit absolument de posséder un certain nombre de caractéristiques. Parmi les caractéristiques que l'abd, c'est-à-dire celui qu'Allah Azza wa Jal tout simplement a créé, et qui reconnaît l'existence d'Allah Azza wa Jal, parmi ces caractéristiques, il y a le fait de savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on veut savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un million de voies possibles. Première des voies, Al-Qur'an al-Karim. Voix qui lui succède afin d'expliquer justement ce que l'on trouve dans le Coran en termes de sens des noms d'Allah Azza wa Jal et de la signification profonde de ces noms, la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui voudrait pouvoir connaître Allah se doit de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahman al-Rahim, ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Ce qui signifie dans la traduction du verset. N'as-tu pas vu comment Allah Azza wa Jal te donne l'image d'une bonne parole par la parabole d'un bon arbre? Ses racines sont profondément ancrées dans le sol et ses branches s'élèvent, les cimes de cet arbre-là s'élancent dans le ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Les ulama, les savants nous expliquent que cette parabole est une parabole qui représente l'iman en tant que tel, fondamentalement. Et ici, Allah Azza wa Jal commence par dire asluha. Et Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala commence par le plus important, c'est-à-dire la chose essentielle et fondamentale qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre la suite du verset. Les racines dans ce verset, c'est ce qu'on appelle « al-aqidatul islamiyya », le dogme. Il est important de savoir définir ce qu'est le dogme, parce que ces dernières années, on a une vision du dogme qui est finalement assez restreinte. On nous a restreint la vision du dogme à un certain nombre de livres, qu'on doit apprendre ou pas par cœur, avec un certain nombre de taqsimat, c'est-à-dire des séparations scientifiques, pour comprendre ce dogme en tant que tel. Ainsi, on vient, on nous expose la aqida comme étant simplement Tawhid al-Rububiyya wal-Uluhiyya wal-Asma wal-Sifat wal-Safi. Non, c'est pas juste ça. La aqida, le dogme, cette croyance profonde que tu as, c'est une chose qui est shamila, kamila, et qui englobe toutes les dimensions de ton existence. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui oublient, par exemple, une chose très simple. Le comportement fait partie de la aqida. Al-Khuluq min al-Aqida. Laïsa min al-Fiqh. Wa laïsa min ziyadatil khayr. Bel huwa aslun fil aqida. Le bon comportement avec ton prochain, ça fait partie de ton dogme. Pourquoi ? لأن خلق الإنسان مع الآخرين مبني على الخلق مع الله سبحانه وتعالى. فبدأ من هذا الخلق وأثار هذا الخلق على الناس حوله. Il faut comprendre par exemple que le comportement n'est pas une chose. Vous savez, souvent les gens ils se disent que le bon comportement c'est une chose en plus. Zahma, je fais mes prières, je fais ça au Ramadan, je fais le Hajj, je fais l'Umra. Hein? Je paye ma zaka, et si j'ai un bon comportement, mashallah, c'est vraiment que je suis arrivé au top. Non, ya Habibana, c'est pas comme ça. Le bon comportement est une fenêtre directe que l'on a sur ton cœur et sur ta aqid. Ainsi, une personne qui n'a pas une bonne relation avec Allah ne peut pas avoir un bon comportement. Hada mustahil. Rajulun yuharibullah azza wa jal. Il peut pas. Un homme qui est en guerre avec Allah ne peut pas avoir un bon comportement, c'est impossible. Ça signifie quoi? Qu'une personne qui a un mauvais comportement avec son prochain est une personne qui a un problème dans sa relation avec Allah. On est dans un problème de aqid. Et si on parle de khuluq, on doit comprendre que le khuluq, c'est un rizq min rabbil alamin. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jal te donne. C'est inné qu'Allah Azza wa Jal te donne. Et il y a une chose qui est secondaire, qui n'est pas le khuluq, qui est quoi? At-takhalluq bi ziyadati at-ta,
الفرق بين الخلق والتخلق الخلق من رزق رب العالمين هذا من فطرتك والتخلق أنت فهمت بعض الأمور وتجاهد نفسك حتى تصل إلى درجة الخلق إن شاء الله تعالى هذا هو الفرق avoir un comportement le comportement c'est une chose qui est innée qu'Allah Azza wa Jal te donne mais il y a aussi une autre dimension c'est la personne par exemple qui est sans arrêt énervée il y a une parole des Mashir qui est connue qui dit al ghadab awwaluhu al junun wa akhiruhu al nadam كلام حق سبحان الله الغضب أوله الجنون وآخره الندم La colère commence toujours par la folie et se conclut toujours par le regret. Si par exemple tu es une personne qui a tendance à être nerveuse, et plus les pays, plus les gens ont des origines des pays où il fait chaud, plus souvent les comportements, mashallah, ils sont har, ils sont chauds. Le sang, il est aussi chaud que le soleil, subhanallah. Ça veut dire que toi, en vérité, à travers la connaissance d'Allah, tu vas comprendre qu'Allah Azza wa Jal la yarda an al-ghadab illa al-ghadab lillah Azza wa Jal. Si toi tu vas commencer à connaître Allah Azza wa Jal, ses noms et ses attributs, sa magnificence et savoir qu'Allah ala kulli shay'in qadir et huwa basir wa huwa sami', qu'Allah Azza wa Jal te voit dans tout ce que tu fais, il t'entend dans tout ce que tu fais, ça va te pousser toi même dans un moment de colère qui est en train de naître à te maîtriser parce que tu sais qu'Allah te voit. الله عز وجل يقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما c'est le حصر l'exclusivité de la chose dans le sens du verset c'est إنما les croyants ne sont que ceux qui lorsque l'on rappelle الله عز وجل leur cœur tremble المفسرون قالوا هذا الكلام ذكر الله بمعنى قيل له اتق الله qu'on lui dise crains الله عز وجل Une personne, on lui dit « taqillah » et ça lui fait rien. C'est quoi ce sabab ? Une personne, il a volé, il a menti, il a fait une chose qui est « muharrama ». Tu dis « taqillah » et ça lui fait rien dans son cœur. Pourquoi ? « Ma huwa sabab ?» Elle m'a ainsi, mais il y a quelque chose d'avant les ma'ansi, la désobéissance. C'est la méconnaissance de qui est notre Seigneur. Et les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas mentionnés dans le Coran simplement pour faire un changement littéraire où une fois c'est l'Aziz, une fois c'est Samir, une fois c'est le Basir, une fois c'est Allah, une fois c'est Rab, une fois... Non, c'est pas simplement pour un changement littéraire. Non, c'est pas pour ça. C'est pour nous montrer qu'Allah Azza wa Jal possède tout, maîtrise tout et que ce qu'est Allah Azza wa Jal a une dimension complète dans toute notre existence. Chacune des actions de ta vie se rapporte à un attribut d'Allah Azza wa Jal. Chaque fois que tu as la tentation de désobéir à Allah Azza wa Jal, il y a une des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Si tu te la remémores, si tu te rappelles de cette caractéristique, tu ne vas pas désobéir à Allah Azza wa Jal. Et au contraire, il y aura des choses que tu auras envie de faire dans le khair, le khairiyat, le mandoubat, des choses qui sont pas obligatoires, mais si tu le fais, tu as une récompense, et si tu les délaisses, tu n'as pas de châtiment. Le mandoub, yani. Quand tu vas penser à un des noms d'Allah, ça va te pousser à le faire. Et c'est ça, fa'idatu dirasati asma'illah wa sifatihi. Le connaître pour pouvoir l'adorer. Le tawhid, et c'est une tariqa yani ilmiya dont je parle, c'est une façon scientifique de présenter les choses, mais c'est présent dans les textes. Yan qasimu ila qismin aw ila thalatha ala tawhid al-ma'rifati wal-ithbat wa tawhid al-ibada. Al-ma'rifatu wal-ithbat, le tawhid de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla et de la reconnaissance de celui qu'il est. Et c'est quoi celui qui vient après ? Tawhid al-ibada. L'unicité dans l'adoration. Ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas adorer Allah comme il se doit si tu ne le connais pas. Et on voit beaucoup de gens, subhanallah, mashallah, ils aiment beaucoup le fiqh. C'est vrai ou pas ? Le fiqh. Usul le fiqh, pas trop. Le qawa'id fiqhiyah, pas trop. Mais ils aiment bien le fiqh. Ou mustalah al-hadith, zama un petit peu. Et ils aiment poser des questions dedans. Et ils aiment apprendre des choses là-dedans. C'est Shaykh Mahmoud, alhamdoulilah, c'est une chose qui est bien. Mais la chose la plus importante, akhi, c'est de connaître ton Seigneur. Parce que si tu ne connais pas Allah, tu vas lui désobéir fondamentalement. Pourquoi ? Regarde le monde où tu habites. Kulluhu haram hawlana. Il y a que du haram yahi autour de nous quasiment, subhanallah. Vous savez que votre présence ici, elle n'est pas normale. Vous savez ça ? Alors si on parle des anciens qui sont nés musulmans, qui étaient au bled, qui ont eu une tarbiya islamienne, inshallah, et qui sont venus ici, c'est une chose. Les gens qui sont nés en France, mais... Comment ça se fait que vous êtes là ? On a envie de dire, mais pourquoi vous êtes là en fait ? C'est pas normal que vous soyez là. Avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a autour de nous, l'école, ce que vous avez appris, la télé, tout ce que vous avez vécu dans les quartiers ou pas dans les quartiers, en vérité que vous soyez ici, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jal, c'est vrai ou pas ? Mais ça veut dire quoi aussi ?
Ça veut dire qu'une tarbiya islamiya donnée par un mujtama', par une société, elle n'a pas forcément été donnée. Ça veut dire que tu as plein d'efforts à faire, Al-Karim. Et qu'il y a plein de choses, les gens du bled, ils l'ont d'une façon innée, et que toi, il faut que tu l'apprennes. Mais comment tu vas avoir le courage d'apprendre ces choses? Comment est-ce que tu vas avoir le courage, Harry, de changer tout ce que tu es, toi, toute ta personnalité? Il faut un sacré courage, il faut un sacré travail pour se changer totalement. Bima'arifati Rabbil Alamin. Lorsque tu connais Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, tu peux commencer à changer. Parce que quoi? Le fait d'observer la création d'Allah Azza wa Jal, le fait de connaître Allah, de lire le Coran, ça va te permettre de comprendre le Coran. Vous savez, il y a une qa'ida dans le tafsir. Lorsqu'un verset finit par un des noms d'Allah, ou souvent par deux noms d'Allah Azza wa Jal, il y a une qa'ida, il y a une règle. Et c'est Cheikh Farid al-Ansari, rahimahullah, qui donnait souvent cette règle-là. Il nous disait, enfin il disait, non, j'ai pas eu l'occasion de malheureusement d'asseoir avec lui, mais il disait en tout cas que si tu veux comprendre un verset, tu dois le comprendre à la lumière du verset, du nom d'Allah qui finit le verset. Exemple. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. Ok. Ya ayyuha annas. Annas c'est quoi? Il kuffar. وللمسلمين للمسلمين وللكفار احتراما لمن امن بالله نبدا بالمؤمنين للمسلمين وللكفار quand Allah عز وجل nous dit ya ayyuhan nas, ça veut dire que c'est un khitab, c'est-à-dire une chose qui s'adresse aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Ça veut dire quoi? C'est pas une chose qui est réservée uniquement à celui qui reconnaît qu'Allah عز وجل existe et qui reconnaît la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout le monde. C'est une vérité absolue qui s'applique à tous. Antum al-fuqara. Allah عز وجل ici emploie un terme qui est très fort, qui est le fuqara. On a le masakin, on a le fuqara. عند المالكية يعني المسكين أشد من الفقراء وعند الشوافيع العكس. مهم الفقير c'est celui qui a chez le Malikia la moitié de ce qu'il lui faut jusqu'à 99%. Ça veut dire il a pas tout ce qu'il lui faut. أنتم الفقراء إلى الله. Qu'est-ce que ça veut dire? On est les pauvres, on possède rien, mais moi en vérité je possède des choses. Peut-être que tu possèdes une maison. Tu possèdes ta femme, tu possèdes tes enfants, tu as des enfants, tu as des choses que tu possèdes, ta voiture, des choses que tu as. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Allah Azza wa Jal nous explique qu'on possède rien? La réponse vient après avec le nom d'Allah. Wallahu huwa al-ghani, al-hamid. Allah Azza wa Jal nous a défini par un mot. C'est quoi ce mot-là? Al-fuqara. Ça c'est ce que tu es, ça. C'est ce que je suis. Et ensuite Allah s'est défini lui-même par un terme qui est exactement l'inverse. Sahulala. Al-Fuqara, bi alifin walem, et ensuite Allah vient avec un de ses noms. Al-Ghani, celui qui possède tout. Celui qui possède tout, a-t-il besoin de quelqu'un? Oui ou non? Celui qui possède tout n'a besoin de rien, Akhil Karim. Imagine-toi, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu as une maison, tu as une voiture, et il y a quelqu'un qui vient et qui dit, je peux peut-être t'aider à essayer d'avoir une voiture. Tu dis, mais laisse-moi tranquille, j'ai tout ce qu'il me faut. Allahu huwa al-Ghani, il possède tout. Donc en vérité, tu vas comprendre ta station à toi de faqir, ton état de faqir, tu ne pourras le comprendre que si tu comprends le nom Al-Ghani. Vous saisissez? En comprenant le nom Al-Ghani, le riche absolu qui est Allah Azza wa Jal, c'est là où tu vas comprendre que tu possèdes rien. Parce que si toi tu commences à réfléchir avec ton aql, ce que tu vois, tu as une maison, tu as des enfants, tu as une voiture, tu as etc. Mais si tu comprends qu'Allah Azza wa Jal possède tout, même ton âme, même ta vie, à ce moment-là tu comprends que tu es. Mais ça vient par quoi? Par le fait de connaître la perfection d'Allah. Une deuxième règle. Plus tu connais la perfection d'Allah, plus tu connais ta propre imperfection. Je vous la répète parce qu'elle est très importante. Plus tu vas connaître la perfection absolue d'Allah, plus tu vas connaître ta propre imperfection. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas te définir par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as vécu quand tu étais petit, par rapport à ce que tu as même appris. Tu vas te définir par rapport au nom et attribut d'Allah Azza wa Jal, en opposition à ses noms. Et tu vas comprendre que toi, tu es plein de défauts, que tu ne possèdes rien. Quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans la traduction du verset, certes nous appartenons à Allah, et certes c'est à Allah que nous retournons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta vie ne t'appartient pas. Mais est-ce qu'on a conscience de ça? Vous savez, des fois, quand on fait des doros sur Asma wa Sifat, sur les noms et attributs, on a envie de venir avec plein de noms d'Allah, plein d'attributs d'Allah. Mais en vérité, wallah, il y a juste un, si on le comprenait, ça nous servirait à être des salihin. Salih al-umma.
Ceux grâce à qui Allah Azzawajal, même quand il y a des péchés dans un qawm, Allah il n'envoie pas l'adhab à cause, grâce simplement à quelques salihin. Si simplement on comprenait ne serait-ce que le nom Allah, on serait des salihin. Allahumma arzuqna. Autrement dit, cette science qui est Al-Aqida Al-Ghani, excusez-moi, j'ai pas fini, Al-Ghani ou Al-Hamid. Et Al-Hamid, biwahdihi, lui, en étant étudié d'une façon séparée, Al-Hamid, ça veut dire celui qui mérite les louanges par essence même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier mot du Qur'an Al-Karim, c'est quoi? Al-Basmala ala khilaf. Et j'ai un dalil que c'est pas Al-Basmala le premier mot. Vous savez un dalil que c'est pas Al-Basmala le premier mot du Qur'an Al-Karim? Al-Qur'an kulluhu mutawatir. Fa wujud al-khilaf. وجود فقط وجود الخلاف في هذه المسألة هل البسملة من القرآن هذا الدليل على أنه ليس متواتر لأن التواتر يفيد اليقين قال شيخ فريد الأنصاري رحمه الله مهم on va pas traduire ça. Le premier mot du Coran inshallah على خلاف ونحترم الخلاف يعني لا يشكل. Le premier mot du Coran الكريم c'est quoi? C'est الحمد لله غني حميد. Il y a une différence entre le hamd et le shukr. Il y a une différence entre d'une part le hamd et d'autre part le shukr. Le shukr, il vient, tu fais shukr à Allah, muqabil li'i'ta'i rabbil alamin. Quand Allah te donne, tashkurullah. Quand on te donne, tu dis ashkuruk. Par contre, le hamd, c'est pas lié au fait qu'on t'ait donné quelque chose ou qu'on t'ait rien donné. Non. C'est lié à l'essence même d'Allah. Mais il faut le connaître, Allah, pour comprendre qu'il mérite le hamd. Wallahi, il y a des musulmans qui ne comprennent pas qu'Allah, il mérite le hamd, la louange. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Allahumma arzuqna ilm. Ya Rabb al-alamin. Al-ilm. Je vous disais donc, cette science qui est la science de la aqida et qui est bien évidemment extrêmement large, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas simplement comment tu vas adorer Allah, c'est pas simplement des choses théologiques très précises. La aqida, c'est une chose extrêmement large, y compris l'amour pour Allah, y compris détester pour Allah. C'est vrai ou pas? Les gens, subhanallah, ils savent s'énerver quand on les insulte, mais ils ne savent pas s'énerver quand on insulte Allah azzawajal, subhanallah. Ils s'énervent juste pour leur propre personne. Par contre, quand la religion d'Allah azzawajal, elle est attaquée, ça ne leur fait rien du tout. Ces gens-là, ils ne savent pas s'énerver pour Allah azzawajal. S'énerver, ça ne veut pas dire tout casser, hein. Ça veut dire écrire, ça veut dire manifester son mécontentement, ça veut dire faire les choses d'une façon intelligente. Je ne suis pas en train de dire d'aller brûler des endroits ou quoi. Mais ça fait partie de la aqida, savoir aimer pour Allah et détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. La aqida, c'est la science qui est la plus noble. Pourquoi c'est la science la plus noble? On a une qaïda chez l'ulama qui dit « Sharaful ilmi bi sharafil ma'louma »« Sharaful ilmi bi sharafil ma'louma » La noblesse d'une science est définie par la noblesse du sujet qu'elle étudie. Je vous répète, la noblesse d'une science est définie par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'une science est plus noble que l'autre? Pourquoi est-ce que at-tafsir, par exemple l'exégèse du Coran, ce serait une science qui serait plus noble que la chimie ou que la physique? Pourquoi? Bah, par rapport à l'objet de la chose que tu étudies. D'accord? Ici, quand tu fais de la aqida, tu étudies quoi? Allah Azza wa Jal. Et toi, la façon de comprendre, tu étudies Allah, et la façon d'arriver à cette étude d'Allah Azza wa Jal, c'est par le biais de quoi? Tawhid Rabbil Alamin. Plus précisément, si on reprend Al-Alfaz Al-Qur'aniyya, si plus précisément on reprend les termes qu'Allah Azza wa Jal a employés dans le Qur'an pour exprimer ce qu'on appelle d'une façon ilmiya Tawhid, on appellera comment? Al-Ikhlas. Non? Le mot qu'Allah utilise dans le Coran al-Karim, c'est quoi? Qul huwa Allahu ahad, c'est surat quoi? C'est pas mais bima'na surat al-Tawhid, c'est vrai ou pas? Mais le mot utilisé, c'est Al-Ikhlas. Donc il faut aussi garder, c'est bien d'utiliser le mot Tawhid, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi garder Al-Alfaz al-Qur'aniyya, c'est vrai ou pas? On est arrivé à un point où les gens, quand on leur dit le mot Ikhlas, ils pensent que Ikhlas, c'est juste quoi? Niyya. Genre, t'as une bonne intention. Non, c'est aussi Tawhid. Donc, sharaful ilm bi sharafil ma'louma. La noblesse d'une connaissance est définie par la noblesse du sujet qu'elle étudie. Et la aqida, c'est le fait d'étudier qui est notre Seigneur. On va prendre un exemple, inshallah. Allah. À la khilaf, il y a une divergence entre les savants. On va voir l'origine de ce mot Allah. Certains disent que c'est un nom propre et qu'il a toujours existé tel quel. Ça a toujours été Allah. D'autres disent que non, finalement, à l'origine, ce n'était pas un nom propre, mais c'était El-Ilah. El-Ilah. C'est pour ça qu'on connaît aussi le prénom, par exemple, Abdul-Ilah. Vous avez déjà entendu?
Abdul Ilah, Moujoud, bimana Abdullah, nafs shay, c'est exactement la même chose. Sauf que les Arabes, à force d'employer le mot Al-Ilah, Al-Hamdu, Al-Ilah, Subhana Al-Ilah, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a une thaqala, quand le mot est difficile à prononcer, qu'est-ce qui se passe ? Les Arabes font quoi ? Bah, ils modifient le mot pour que ce soit plus facile, c'est vrai ou pas ? Donc de Al-Ilah, c'est devenu quoi ? Allah, bihathf, hamzatul qat'a. D'accord ? Donc l'origine du mot Allah, c'est Al-Ilah. Ala khilaf, certains disent que c'est un nom propre en tant que tel. Tayyib. Ce mot, Al-Ilah, d'où vient-il ? Il faut comprendre que, on va expliquer ça plus simplement. Les Arabes, lorsqu'ils avaient besoin de sevrer des chameaux, des chamelons, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Le chamelon, c'est le petit de la chamelle. Lorsqu'ils avaient besoin de sevrer un chamelon, c'est-à-dire le séparer de sa mère, alors ils buvaient sans arrêt le lait, et on veut commencer à lui faire manger de l'herbe, etc. Donc pour pouvoir le séparer, qu'est-ce qu'ils étaient obligés de faire ? Le sortir de la ville. Pourquoi ? Parce que les chameaux, subhanallah, il y a une chose qui est extraordinaire. Tant que la chamelle appelle son petit et que lui l'entend, il ne va pas manger jusqu'à temps qu'il meure. Et tant que lui lui répond et qu'elle l'entend, elle ne va pas manger jusqu'à temps qu'elle meure. Ça veut dire qu'on est obligé de les séparer. Mais on ne peut pas les séparer juste de quelques mètres parce qu'ils s'entendent. Et en plus, il y a une chose qui est importante, c'est que le chamelon, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà entendu un chamelon pleurer, non ? Qadiman, tout le monde aurait levé la main. Un chamelon qui pleure, on dirait un humain. C'est le même son qu'un humain, c'est ajib, ça fait mal au cœur. Fils Saoudia, je l'ai entendu, ça m'a fait bizarre, subhanallah. Donc il prenait en fait tous ces chamelons, ce qu'on appelle el-fasil. On appelle el-fasil. C'est celui qui arrivait à l'âge d'être sevré. Et il le mettait à l'entrée de la ville. Donc il y avait des saisons en fait où, quand les Arabes rentraient dans une ville, ils voyaient en fait devant la ville tout un jama, c'est-à-dire un groupe de petits chamelons en train de pleurer, msakin. Mais en train de pleurer, et si tu regardes pas et que tu entends juste le son, tu as l'impression que c'est des humains ou des enfants en train de pleurer. Chose supplémentaire, chez les Arabes de l'époque, le chameau c'est quoi ? C'est tout, Akhil Karim. C'est celui qui te permet de te déplacer, mais c'est aussi celui qui te permet de porter tes marchandises pour aller faire tijara, pour aller faire le commerce. C'est-à-dire, si tu n'as pas de chameau, il n'y a plus de commerce. S'il n'y a pas de chameau, tu ne peux pas ramener des vivres d'une autre ville. Ça veut dire, ni tu vas pouvoir manger, ni tu vas pouvoir boire. De même, il buvait son lait. Et il faisait aussi du lben avec son lait. Et il mangeait sa viande. Alors comme ça, et chez les Arabes, le karam, par exemple, honorer les invités, c'était plus important que tout. Même si eux, ils ne mangeaient pas de la viande pendant un an, s'il y en avait un invité, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ne faisaient rien ? Ils égorgeaient Akhil Karim pour lui donner. Donc le chameau, dans la société des Arabes de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça représente tout, Akhil Karim. Ça représente tout. Toute l'économie, toute la vie, toute la maïcha, elle est basée dessus. Sur ça et sur Tamar. Ok. Quand les Arabes y passaient à côté de ces groupes de petits chamelons qui étaient en train de pleurer, ils ressentaient quelque chose dans leur cœur. Et ils disaient une phrase qui est restée. Ils disaient « Laqad aliha al-fasil ». Aliha. Ici, c'est un verbe. Aliha, el-ilah. Aliha, qu'est-ce que cela signifie ? Quand il passait, il disait, Laqad aliha al-fasil, il disait, le fasil, ce petit chamelon qui est en train de se faire sevrer, il est en train de ressentir un manque indescriptible, intense, extrêmement intense, d'amour envers sa mère de laquelle il a été séparé. C'est un déchirement pour lui. Laqad aliha al-fasil. Et le mot el-ila, il vient de ça, de cette situation-là, de aliha. Donc qu'est-ce que ça veut dire el-ila ? El-Ilah, ça veut dire la divinité, ça veut dire la chose en vérité absolue, dans l'absolu, ça veut dire la chose à laquelle tout ton être, ton cœur, ton âme, tes pensées, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes, c'est lui. C'est ça, El-Ilah. Quand tu dis Alhamdulillah, c'est pas anodin. Quand tu dis Subhanallah, c'est pas anodin. Quand on dit est-ce que tu vas bien et qu'on dit Alhamdulillah, aïb alayna de dire Alhamdulillah comme si ça voulait dire ouais, ça va, les basses. Non, non, non. Alhamdulillah, quand tu dis ça, c'est de la aqidah, c'est du dogme. Tu reconnais qu'Allah Azza wa Jal, qui est celui que tu aimes plus que tout, qui est l'origine de tout, qui n'a ni commencement ni fin, celui que tu aimes plus que toi-même, plus que ta famille, plus que ton propre sang, t'a donné par sa miséricorde, alors que tu ne le mérites pas, parce que tu lui désobéis. Allah, il t'a quand même donné une bonne situation, des enfants qui sont vivants, une femme qui est vivante, des parents en bonne santé, et peut-être toi-même en bonne santé. Voilà ce que ça veut dire, d'une façon générale, alhamdulillah.
La aqida, c'est dans toutes les dimensions de notre existence. Chaque parole, chaque verset du Coran al-Karim, chaque parole du Coran al-Karim, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. J'espère, inshallah, que le fait d'avoir vu un petit peu l'origine de ce mot, le nom propre, Allah subhanahu wa ta'ala, pourra changer quelque peu votre vision, inshallah, de notre divinité, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'insiste encore une fois sur le fait qu'Allah Azza wa Jal n'a pas ramené différents noms dans le Coran et le Karim simplement pour faire un changement littéraire, pour ne pas faire de répétition. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que chacun de ces noms est fondamental. Et que quand tu connais les noms d'Allah, tu connais Allah. Vous connaissez le hadith dans le sens de la traduction. Celui qui connaît 99 noms d'Allah. Il n'y a pas que 99 noms, il y a plus que 99 noms. Mais celui qui connaît 99 noms d'Allah et qui les connaît vraiment, qui connaît le sens, et le sens de ces noms d'Allah a une conséquence dans son existence, dans sa vie, celui-là, dakhala al-jannah, rentrera le paradis. Ça ne veut pas dire juste tu mémorises 99 noms et tu ne sais pas ce qu'ils veulent dire, akhil karim. Tu l'as fait, c'est bien, mashallah, Allah ibarak fik. Mais ça ne peut pas suffire. Parce que sinon, ça voudrait dire que notre entrée au paradis est conditionnée par quoi ? Par des actions simplement, apparentes. Le fait d'avoir mémorisé quelque chose et de le réciter. Non. Une personne qui a mémorisé tout le Coran, est-ce que c'est un bien pour lui ? Bien évidemment. On dira au jour du jugement, dans le sens du hadith, on dira au jour du jugement à celui qui était familier du Coran, qui toujours était avec le Coran. Lis et récite le Coran comme tu le récitais dans cette vie d'ici-bas. Car certes, ton degré dans le paradis sera aussi haut que le dernier verset que tu auras lu. Ça veut dire, tant qu'il lit le Coran de ce qu'il a mémorisé, il est en train de faire quoi ? Il est en train de monter. Mais qui pourra avoir droit à cela ? La personne qui comprend l'essence du Coran et le Karim. Ce n'est pas pour rien si Abdullah ibn Omar, radiallahu anhumah, avait mis plusieurs années, je crois 9 ans ou là 7 ans, pour mémoriser Sourate al-Baqarah. C'est pas simplement le fait de ne pas pouvoir mémoriser, c'est le fait de comprendre les choses. Et ça, c'est le problème de la communauté musulmane aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des musulmans, cette hagra et ce dhulm, ces ténèbres qu'on est en train de se prendre, c'est aussi notre faute vis-à-vis de notre relation avec Allah Azza wa Jal. Parce qu'on n'a pas une relation profonde. On se doit d'avoir une relation profonde avec Allah. Et avec l'islam, et comprendre que l'islam, c'est un mode de vie, c'est pas une religion. Ce mot-là, religion, il ne me plaît pas. C'est un mode de vie, l'islam. Parce que quand tu te lèves le matin, tu es musulman. Quand tu parles avec quelqu'un, tu es musulman. Parce que tu sais qu'Allah, il est Samir. Quand tu fais une action, tu es musulman. Parce que tu sais qu'Allah, il est Basir. Tu sais qu'Allah te voit dans toute chose. Ta façon de parler, ta façon même d'acheter, ta façon de vendre, ta façon de marcher, même ta façon de marcher, elle est conditionnée par l'islam. C'est pas un mode de vie, ça, akhil karim. Mais tant qu'on prendra l'islam comme une religion et pas comme un mode de vie, notre situation sera toujours la même. Vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Parce que l'excellence dans l'islam amène l'excellence dans quoi ? Dans la vie professionnelle, dans les relations internationales. L'excellence dans l'islam, ça te donne la izza, mon frère. Aussi bien les personnes que les états, pour tout. Et l'excellence dans l'islam, ça te donne le fait d'être carré. Et on sait très bien aujourd'hui que dans les pays musulmans, c'est pas forcément l'ordre qui règne le plus, hein. C'est pas forcément la qualité principale qu'on trouve dans les pays musulmans. Pourquoi ? Parce qu'on a délaissé cette ihsan de l'islam. Inch'Allah khair. Allahumma arzuqna l'ikhlas. Allahumma j'alna min as-salihin. Allahumma j'alna min alladhina yafhamuna asma'ak wa sifatika ya rabbal alamin. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la piété. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la compréhension profonde, profonde de ce que sont ses noms et attributs. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver du châtiment de l'enfer et nous apporter le paradis et de faire en sorte que la lecture du Coran que l'on va écouter ce soir, inshallah, pendant Tarawih, va rentrer dans nos cœurs et nous changer, ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وَأَنَّ